Bonjour tout le monde, ici Zeph et Nicky Pan et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mon nouveau let's play sur Donkey Kong Country 3. Les explications, j'ai décidé d'annuler mon let's play sur Sacratera, l'hôpital des péchés. Pour aucune raison particulière vraiment, je l'ai expliqué à Chose en 22. J'ai expliqué que sans aucune raison, j'ai décidé de l'effacer, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est comme ça. Alors je vous l'ai déjà dit, j'avais fini le jeu grâce à un glitch, j'avais tous les levels, il y avait un level. Par contre, je n'étais pas capable de finir. Blablabla. J'avais dit que je ferais pas de fire run dessus. Je ferais pas de fire run dessus, je vais faire un let's play dessus. Allez! Bon, finalement, ce sera Dixie, mon nom. Je voulais écrire F, mais bon. Voilà, 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 voilà. Nouveau let's play, voilà. Bonjour. En plus, il est en français. Ok, non. Là, je deviens trop remix. Lol. Je passe le texte, je lis pas. I don't care. Mais voilà. Let's go. Je regarde si l'écran est bien. La caméra est bien, d'accord. Barre de métal est disparu dans l'espace. Voilà. Faut juste appuyer au bon moment pour sauter dans l'eau. Alors je fais vraiment comme aucun bonus. C'est genre I don't care, absolument rien. Voilà. Premier level fait à la cool. Relax man, relax, c'est que la première partie. Enjoy quoi. Thank you.
Au début, ça peut ressembler à un Fire Run, mais c'est simplement parce que je suis super habitué de refaire les premiers niveaux en boucle et en boucle. De les recommencer. Vous voyez que ce truc peut être très utile pour les Fire Run, mais c'est pour... Je suis trop habitué de dire Fire Run au lieu de Speedrun maintenant. C'est rendu une maladie. Oh. Et voici comment tu peux avoir ce bonus. Sans faire exprès, je suis rentré dedans. Mais sérieux, c'est comme ça que je le fais moi. J'ai pas trouvé autre manière quoi. Et en même temps, Dixie se noie. J'ai envie de crier, je hurle. Non, ça c'est faux. Le show de Skida Snow. Vous avez vu le jeu de mots. Show Snow, voilà. C'est ce que j'ai... Oh mon dieu. Avez-vous vu le Barry Glitch? Je vais vous le repasser, puis je vais le mettre sur pause. Alors, là, j'ai envie d'attendre. Je vais te battre nul. Je vais vous montrer parce que vraiment c'était bizarre. Un glitch du jeu jamais découvert. Aussitôt que je peux leur faire, je leur fais. En espérant que ce soit dans cette partie. Je suis bien parti pour que ce soit, oui. Ouais, là, je suis parti pour un Fire Run, en fait. Et le level qui vient après, j'ai vraiment pas envie de le courir. C'est l'un des levels que je déteste le plus. Moulin malsain. Descendre de ce truc. De 1, tu embarques. Il n'y a rien là. Maintenant, tu remédies dessus. Et voilà. C'est un glitch. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un autre glitch, mais je peux pas. Non. Alors, pourquoi est-ce que le mème du genre les éléphants ont peur des souris? J'ai jamais compris, en fait. Alors, pourquoi cet éléphant a peur de ces souris? Tacatan! Ok, je suis vraiment pas dans la musique, en fait. Oh my god. Je viens juste de bailler, mais c'est extrêmement normal à mon avis, parce que je tourne cette vidéo, il est 11h21. J'ai commencé il y a 9 minutes. Oh mon dieu, l'espérant. J'ai commencé il y a 9 minutes. Bah, dans le fond, j'ai commencé, il était 10, quoi. Je trouve que c'est normal que je sois fatigué, mais c'est pas normal que je précise. Truc des speedrunners. Ouch. Ouch. Mini Cooper. Good. Déjà le premier monde de fait. Puis il a
première partie n'est pas encore terminée. Il va avoir le monde 2 après. Parce que j'ai fait qu'une coupure. Une coupure égale moins de 10 minutes. Parce que sur ma 3DS, je peux pas filmer plus de 10 minutes une vidéo. Là, au montage, ben voilà, je les assemble. Mais genre... Toutes les levels du monde 1, sans compter le boss, en moins de 10 minutes. C'est fort. Aïe. Ah, je voulais faire un glitch, mais ça n'a pas marché. J'ai vu un glitch sur le net, mais je me suis cogné contre le baril du boss, donc ça n'a pas marché. J'ai toujours le baril des corps à vous montrer, mais il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Ben oui, il n'y en a pas. Ah, voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer Dixie. En espérant que je puisse le faire. Ok. Je l'ai pas mis sur boss au bon moment, mais j'ai vu deux glitches. Oh, ça m'énerve. Bon, alors, je vais prendre le baril pour aller directement à la fin du level. Sans que vous puissiez le voir, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Voilà. Puis, je vais refaire le level. J'en ai assez. Ici. W comme... W comme World Record. Voilà. Pourquoi W? Enfin, bref. Alors, on va tuer Dixie. Parce que là, comparé au Fire Run de Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest, alias référence, eh bien, on ne commence jamais avec Dixie. Ok. Voilà. Montre de plus près. Oh oui, je vous montre aussi cette heure. Ok. De 1 et de 2. J'ai fait une coupure pour prendre un screenshot parce que qui dit regarde au glitch et essaie de voir si ça lui fait mal ou pas. J'ai trouvé ça marrant. Vous n'avez rien vu de ma vie personnelle. Lol. La caméra est droite. Eh ben oui. Allez, on se réinstalle. Ok, good, on continue. Et voilà, on parie, on sort de l'écran. Bam. Du coup, je sors du level. Level speedrun parfait. Voilà, voilà, voilà. Je vais sûrement filmer trois parties à la fois. C'est très, 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 possible. Possible. J'avais le sentiment que j'ai... En haut, c'est soit un bonus, une vie ou la pièce déco. Ça dépend. Yahoo! Oui! Non, 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 non. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, un jugement, non. Je suis désolée, je n'ai pas de cerveau. Et voici comment tu te plantes à pogner un bonus. Sors de l'eau. Ah! Nouveau record. 1 minute 2 secondes 44. Mon meilleur est à 1 minute 9 secondes. Ah, je me vante pas. Hein. Oh, ce level, c'est encore un level que j'aime pas. Je sais pas, toutes les levels maison de même, je les aime pas en fait. Puis là, je peux pas le transporter étant Dixie, puis je veux absolument l'avoir. Ouais, puis le glitch, je pense que c'était pas prévu par le jeu que quelqu'un trouve ça ou qu'il y ait un sprite. Pour un baril des... Non, je pense que c'était pas prévu qu'il y ait un sprite d'un baril déco
qui tombe d'une plateforme de même. Simplement. Je sais pas. That's not what I wanted to do! Kill yourselves. Quand Wolf il dit prepare yourself dans Smash Bros. Brawl, des fois j'entends go kill yourself. Là je suis genre what? En haut si tu continues il y a un bonus. Bla bla. Mais. Mais. Dixie, arrête de bugger. Voilà. Je regarde le temps qui me reste. Ok. J'ai vraiment envie d'apporter ce baril, même s'il y en a un là. Oh, truc de speedrunner. Go kill yourself. Ah, suicide. Yeah. New. Yeah. Mais. C'est ça, go kill yourself. Bon, là, ça va être rendu un même. Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Je me demande. Ok. Useless. Et tout le monde, je pense qu'elle m'en a donné 4. Weird. Un level que j'aime enfin, araignée sauteuse. Probablement, non. Le seul level qui va introduire ces araignées, ou sinon l'un des deux levels. Je pense pas 3. Why? Pourquoi un baril fait de bois se fait exploser par une planche de bois tenue par une araignée jaune ou rose? Logique quoi? Je suis invincible! Vous ne résisterez pas à mon pouvoir de casser le bois. En bas, il y a bonus. On s'en fiche de Squawk. Ce qui est nul, c'est que maintenant, à la place que tu puisses l'utiliser, mais maintenant, dans Return, ben c'est rendu un truc à indice où se trouvent les pièces de casse-tête. Dans Tropical Freeze, je dis pas. Je n'ai pas le jeu, je n'ai pas de Wii U. What the? Je n'ai pas de Wii U. J'ai demandé à Noël une Wii U plus par mon maker parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir le jeu. Mais j'ai pas de console, donc... Ah. What the? Je faisais la roulade pour le tuer, mais je pense que c'était reverse, donc... Ça va marcher. Je me méplains pas, non, c'est pas mon genre. What the?
actually. Hey! Voilà. Hein? Il n'y a pas de respect pour le pois chiche. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de respect pour le pois chiche. Oh, en haut, je dois aller en haut. C'est mon rêve ultime, je dois aller en haut. Toi, je te kill, puisque t'es useless. New. Ok. C'est très, 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 très possible. Voilà. Ah, je me sens comme un... comme un pro maintenant. Rire bizarre. Je me ferai pas encore toucher par toi. Oh! Rien du tout, poisson, rien du tout. Cooper! Couper, la séquence était trop nulle, couper, couper. Action! Il me reste encore 10 minutes et peut-être encore 10 minutes après ça, donc en masse de temps. Actuellement, j'ai envie d'essayer quelque chose. Ha ha ha! Je sais pas. Du. Shoot them up! Le lag. Les deux premiers mondes du jeu vont être faits dans la première partie. Au lieu de m'étonner ou quoi que ce soit, ça me déçoit en fait. Je sais pas pourquoi. Ça me déçoit. Je sais pas pourquoi. Au lieu que ça m'impressionne du genre hein, je suis rapide, je suis bon au jeu. Je sais pas. Ça me déçoit. Pas pourquoi. BF 3 points quoi. Pfff. Au début ce boss là je savais pas comment le battre.
Juste attends que je voie ce visage sur YouTube. Voilà. Ah, c'est usuel de m'envoyer des boules toxiques de graisse, de toile d'araignée, de marde. Parce que je dors bien. C'est moi ou j'ai vu un glitch? J'ai vu un glitch? Non? Ok, je vous explique. En prenant le genre de plaster en forme de X, directement quand il atterrit là, j'ai vu Dixie sauter en moonwalk. Du genre, voilà, un bonhomme magnifique. Et là, à place de sauter, je sais pas, comme ça, mais genre comme ça, de la même direction ou comme ça, elle marchait comme ça, puis elle est sautée comme ça. Ah oui, mes doigts sont très lisibles. Je sais pas. C'est pas weird. En tout cas... Dans la première partie de ce let's play, je vais commencer le monde 3. Explication. Ah oui, c'est pas un plaster, c'est une Justine en tout cas. Ok, explication. Après, il y a deux mondes. Il y a le monde mécanique et le monde d'eau, on va les appeler. Vous les reconnaissez si vous avez joué au jeu. On peut y aller quand on veut, les deux en même temps. Sauf que je me suis appliqué à moi-même des mondes. C'est-à-dire le monde d'eau, monde 3, et le monde mécanique, le monde 4. Je me suis adé ça à moi-même. Donc voilà. Pour moi, ça c'est le monde 3. Et c'est pour ça que je dis, bon, ben c'est l'heure d'aller faire le monde 3. Et ensuite, je vais faire le monde 4. Je vais pas dire comme Super Mario World, oh mon dieu, les levels aquatiques sont chiants. Water levels are slow and shitty. Je crois pas vraiment que le level dans des cas c'est 3 en tout cas sont là. Moi je les trouve assez rapides. Mais en plus, c'est magnifique quoi. Magnifique. Reprenons. Pourquoi est-ce que je peux... Ah oui, bien sûr. Qui dit, toi, tu nages sur la terre ferme. Tu peux pas monter les escaliers qui sont là. Bien sûr, c'est bloqué. Hein. Mur imaginaire. Oh! Ah, j'ai 20 vies quand même. Si j'aurais perdu aucune vie que j'ai perdue à date, j'aurais 22 vies quand même. Ah, wesh. Ça va être beaucoup de vie. Et tout ça n'est non voulu. Je me vois pas ramasser beaucoup de bananes. Tout en plus que j'ai essayé le défi 7-Up Banane. Ça m'a pas fait du bien. Donc oui, de 1 ça marche. De 2 c'est désagréable. Ne le faites pas à la maison. Enfin... Vous êtes à la maison. Quand je vous dis ne le faites pas à la maison, ça veut pas dire que vous pouvez le faire une fois au chalet. Référence. What the good. C'était supposé être drôle. Rie. En préférence, pas de moi, merci. Je regardais le temps et il va être l'heure. De faire une autre coupure et peut-être... d'arrêter cette vidéo. Il serait pas mal le temps pour la première partie en fait. On dirait un fire run. Je sais pas. Je vais changer le titre.
je vais changer ma voix et tout. Non, c'est faux. C'est un let's play. J'ai pas envie de faire un Fire Run sur ce jeu. De toute façon, ce serait pas logique. Du genre, je commence par faire Fire Run sur Donkey Kong Country 2, ensuite Donkey Kong Country 1, ensuite le 3. Quelle est la logique? Il y en a pas. Parce que il y a quelque chose que je comprends. Il y a un océan entier derrière ce trou. L'océan, il était plein. Hein? L'océan, il devrait remplir cette grotte d'eau en fait. Cooper. Donc ouais, j'avais dit peut-être que après la coupe, en fait, il y aura plus de temps, donc on devrait se quitter. Mais c'est faux, on peut continuer. Ce que je viens de dire était faux, en fait, j'ai plus de temps. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Travis en route 22 pour voir les vidéos rentrantes si ça vous montre. À la prochaine tout le monde.